J'ai trouvé à la bibliothèque le livre. Gare au lapin. Gare au lapin. Des éditions. Des éditions. Didier Jeunesse. Didier Jeunesse. Malika Doré. Déjà tout petit, les lapins aiment les carottes. Et lorsqu'ils grandissent, ils continuent. Alors, pour Mardi Gras, les lapins veulent tous se déguiser en... Carottes. Plus tard, lorsqu'ils dessinent, ils dessinent des... Carottes. Et quand ils font des ribambelles, c'est des guirlandes, ce sont des ribambelles de... Carottes. Oui, tu vois. Pour goûter, les lapins dévorent et ils dévorent quoi ? Des carottes. Oui, des carottes. Enfin, quand les lapins s'endorment, c'est pour mieux rêver. De carottes. Aussi, si un jour un lapin vient te rendre visite, tu peux parfaitement lui offrir une carotte. Alors, tu auras un ami pour la vie. Il t'adoptera et te déguisera en carotte. Il te nourrira de carottes. Et pour ton anniversaire, devine ce qu'il t'offrira. Carottes. Non, pas une carotte, mais toute une botte de carottes. Plein de carottes. Et puis le soir, si tu es sage, il te lira ses plus grandes histoires. De carottes. Si bien qu'au bout de quelques jours, tu ne penseras plus qu'aux carottes. Tout ce que tu voudras faire de ta vie, c'est déterreur de carottes. Ou bien marchand de carottes. Oui, tout ce dont tu auras envie, c'est de vendre des carottes pour pouvoir en acheter d'autres. Bref, même dans tes rêves, plus qu'une seule chose ne comptera, les carottes. Ce qui n'est pas grave, mais pas très intéressant non plus. Alors, si un jour tu rencontres un lapin, peut-être réfléchis bien avant de lui donner une carotte. Et offre-lui plutôt une fleur, par exemple. Le lapin dira merci, car les lapins sont polis. Mais il ira voir là-bas si les carottes y sont. Et toi, mon canard, jamais tu ne deviendras un lapin. Pas vrai, mon canard ? Si. Oh, qu'est-ce qu'il est en train de manger ? Une carotte. Psst ! Et maintenant, si tu veux vraiment être un très très grand lapin, ce qu'il te reste à faire, ce sont des coloriages. Et des coloriages de quoi ? De carottes. Ainsi, tu peux photocopier ces pages et commencer à colorier ton arbre à carottes. Là, il y a des coloriages. Certes, mais il y a tout de même bien plus intéressant à faire dans la vie que de colorier des carottes. Par exemple, tu peux construire des livres poissons mobiles. Pour cela, photocopie la page de gauche et suis les instructions, car il n'y a quand même rien de mieux dans le monde, si tu veux mon avis, que les livres poissons mobiles. Et justement, j'en ai décalqué un. Le voilà, le poisson mobile. Tu vois, il y a écrit... Un petit poisson, une petite poissonne s'aimait, d'amour tendre. Alors, est né le plus beau des poissons. Voilà, je t'avais préparé, tu n'auras plus qu'à le colorier, Jules. Oui. D'accord ? Oui. Et tu peux même l'accrocher, regarde. Comme là. Attends, c'est là. Tu vois ? Il y a un mobile. Okay. Tu peux les accrocher. C'était le livre. Gare au lapin. Des éditions. Didier Jeunesse.